Boker Tov, nous sommes le 18 janvier 2022. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons Daniel Haïk, notre correspondant. Et ce matin encore, Daniel, eh bien, la presse israélienne se focalise sur l'éventualité d'un accord de plaidoyer entre Benjamin Netanyahu et le conseiller juridique Mandelblit. Oui, Elana, les deux grands quotidiens, le Yediot Aharonot et le Yisrael Hayom, admettent ce matin que l'ancien Premier ministre a donné son feu vert à ses avocats pour aller vers la conclusion d'un tel accord. Le Yisrael Hayom titre en manchette sur la bataille autour de l'infraction infamante. Il s'agit de cette accusation qui pourrait empêcher Benjamin Netanyahu de revenir sur le devant de la scène politique pendant les 7 prochaines années. Netanyahu réclame le retrait de cette clause infamante, mais Mandelblit repousse fermement une telle exigence. Et pour la première fois, le chef de l'opposition s'est exprimé brièvement hier sur ce dossier. Lorsqu'il y aura quelque chose de nouveau, nous aviserons, a-t-il déclaré. Le Yediot Aharonot parle, lui, d'un nouveau pas vers un accord et la question de l'infamie, de la clause infamante, pourrait ne pas être tranchée dans l'accord, mais par le tribunal de district de Jérusalem. Au ministère de la Justice, on estime qu'il sera difficile de conclure un accord avant la fin du mandat de Mandelblit, le 1er février prochain. Et puis ce matin, le Yisrael Hayom fait une révélation importante autour des secousses qui ébranlent la classe politique. Oui, le quotidien gratuit cite un haut responsable du judaïsme orthodoxe de la Torah qui affirme clairement « Lorsque Benjamin Netanyahu se sera retiré de la vie politique, nous aspirerons à rejoindre l'actuel gouvernement. » Selon ce haut fonctionnaire, les orthodoxes seraient prêts même à négocier un accord avec leur adversaire idéologique et Yair Lapid. La condition posée, le gel total de toute législation religieuse, comme par exemple les réformes dans le domaine de la conversion ou de la Kashrout, ce haut responsable explique que l'alliance qu'ils ont conclue au cours des 13 dernières années avec Benjamin Netanyahu était nominale uniquement avec l'ancien Premier ministre, mais pas avec son successeur. Et Daniel, justement, vous avez sélectionné plusieurs commentaires ce matin dans la presse et les médias israéliens. Dans le Yisrael Hayom, Matti Tourfeld affirme que dans la classe politique, on sent que le gouvernement Lapid-Bennett se dirige vers sa fin irréversible. L'aile droite du gouvernement se retient, mais sa patience semble avoir des limites et les changements dramatiques pourraient intervenir bien plus rapidement qu'on ne le pense au sein de l'actuel gouvernement. Pour Amnon Lorn, il est grand temps que Benjamin Netanyahu se désigne un successeur à la tête du Likoud et lui aussi considère qu'une fois l'accord de plaidoyer signé, la presse et les médias entre dans une phase de vertigo. Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, n'aime pas l'accord de plaidoyer qui se précise. C'est un compromis infamant, écrit-il en première page de son journal ce matin. Selon lui, un tel compromis risque de briser le peu de confiance que le public israélien a encore envers le système juridique israélien. Le professeur Yedidia Stern, qui est justement un juriste renommé en Israël, constate que la gauche et la droite semblent unis dans leur opposition à un tel accord, mais ils ont tort selon lui. Cet accord est un moindre mal, affirme-t-il. La droite doit se demander pourquoi Netanyahu aspire à un tel accord et la gauche doit comprendre que les valeurs d'égalité devant la justice sont certes importantes mais pas absolues. Dana Weiss, l'analyste politique de la chaîne 12 israélienne, considère qu'au bout du compte, Mandelblit a échoué dans son traitement du dossier Netanyahu et il le laisse partir sans que justice soit faite. Le Maariv, lui, consacre l'un de ses titres dominants à un nouvel échec parlementaire de l'actuelle coalition. Oui, en effet, la loi visant à régulariser le dossier de l'enrôlement des élèves des Yeshivot n'a pas pu être votée hier soir. La coalition n'a pas trouvé la voie de majorité qui lui manquait. Et ce projet de loi a donc été repoussé en première lecture à la suite d'un match nul 54 à 54. En fait, c'est Benjamin Netanyahu qui apparemment a brouillé les cartes de la coalition en entrant à la dernière seconde dans l'hémicycle pour voter contre, alors que tout le monde pensait qu'il était plongé dans les pourparlers en vue de cet accord de plaidoyer. À noter également, la députée arabe israélienne du parti Meretz, Jeda Renawi Zouabi, a surpris en votant contre le projet de loi. La coalition promet de tenter de le faire repasser, ce projet de loi, en procédure express dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais ce nouvel échec confirme la précarité de l'actuelle coalition. Dans le reste de l'actualité, le second dossier à l'ordre du jour ce matin reste bien sûr également la lutte contre la propagation de l'épidémie. Oui, les journaux et les sites d'information confirment que la durée de l'isolement a été réduite en Israël à 5 jours. Ils annoncent que les tests antigéniques vont être apparemment distribués gratuitement et que les malades pourront sortir de l'isolement après 2 tests négatifs. Le Yediot Aharonot peste contre la ministre de l'Éducation nationale, Sacha Bitton, qui s'acharne à présenter une image plus optimiste de l'éducation nationale qu'elle ne l'est vraiment. Comment peut-elle prétendre que 90% des enfants continuent à étudier normalement, affirme la présidente de l'association des établissements scolaires, alors que la moitié des élèves sont selon elle à la maison. Et les parents d'élèves confirment, la situation est catastrophique, de facto nous sommes en confinement, affirment ces parents d'élèves.
Et puis le Israel Hayom nous fait partager en première page un autre aspect de l'épidémie, un aspect économique. Oui, et le journal explique que la réalité économique est de plus en plus sombre pour de nombreuses sociétés israéliennes, alors qu'Avigdor Lieberman, le ministre des Finances, voit la vie économique en rose. Eh bien, il s'avère que 70 000 sociétés israéliennes ont déposé leur bilan en 2021 et les présidents des commissions parlementaires de l'économie et du travail exigent du Trésor des réponses et des solutions pour faire face à cette situation dramatique. Et pourtant, en encadré dans la même page, donc, du Israel Hayom, un titre qui peut paraître contradictoire. Le marché économique israélien se redresse, le chômage est en baisse. À la fin de l'année 2021, il était passé de 4,5% à 3,9%. Mais attention, cette donnée ne tient pas compte de la dernière vague d'Omicron. Enfin, pour terminer, le Yediot Aharonot consacre une partie de sa première page et une page entière même à un incroyable développement dans l'histoire d'Anne Frank. Et oui, il s'avère que le sort de la plus tristement célèbre jeune victime de la Shoah a fait l'objet d'une véritable enquête. Une enquête internationale qui repose sur des paramètres, entre autres, d'intelligence artificielle et qui a été conduite par un ancien agent du FBI. Une enquête qui, au bout du compte, a établi qu'Anne Frank et sa famille ont été dénoncés par un avocat juif hollandais, Arnold van der Brach. En échange de cette dénonciation, eh bien, les nazis n'avaient pas envoyé Van den Brach, ni lui, ni sa famille, dans les camps de la mort.